Eh bien salut à toi YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Comme tu vois, il reste que 3 jours, du coup toutes les vidéos ne sortiront pas à l'heure. Mais de toute façon c'est pas un événement compliqué, c'est pas quelque chose que oh s'il te plaît comment tu as fait ça, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Mais je le fais pour les gens qui ne, bah, qui ne pourront pas faire l'événement parce qu'ils sont arrivés trop tard dans le jeu ou parce qu'ils peuvent pas jouer au jeu pendant ce temps. Voilà, hein, moi je fais beaucoup les vidéos en mode let's play, plus qu'en mode attention c'est comme ça qu'il faut faire ça, plus un peu de côté tuto, mais c'est parce que bah ça, en fait ça va dans let's play. Mais du coup voilà, du coup pour continuer l'événement, 8 sites au-delà des montagnes et des mers. Du coup dernière fois nous sommes allés au monde au dragon, et aujourd'hui bah, on va faire 2 ou 3 lieux, on va voir comment ça se passe, mais au moins 2 lieux minimum, parce que bon il reste 3 jours, nous sommes dans les 3 jours ou pas? Voilà, on est dans les 4 jours, du coup tout sortira pile. Mais bon, enfin, la dernière sortira quand il restera 2 heures, s'il te plaît. Ok, du coup, là, il faut aller à la forêt de pierre du Guyun. Ok, bah, c'est parti. Nous sommes arrivés à la forêt de Guyun. C'est pas comme nos dragons, pas froid, pas de neige. Nous voici dans la forêt de pierre du Guyun. La légende raconte que c'est ici que le souverain de la roche a vaincu le serpent aquatique avec plein de têtes. Il s'appelle comment déjà? Le dieu du vortex, c'est ça? Oui, exactement. Ah oui, Entei! Le dieu du vortex. C'est donc ici qu'il succomba sous les coups des lances de pierre du souverain de la roche. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout eu à le re-affronter il n'y a pas longtemps, quoi. Waouh! Et à moins que ça soit son bébé, genre qu'il en a eu d'autres. Là, j'ai pas capté ça, je sais pas trop ça. Impressionnant, n'est-ce pas? On s'est aussi battu contre ce serpent. On était avec Ningguang à la chambre de Jeanne. Oui, de Jade. Oui, du coup, en fait, du coup, il est revenu. Genre, il sait pas, je sais pas s'il était censé être mort, mais il a réussi à revenir. Il est chaud quand même. Hein. Papillon Coustalin doré. D'accord. Ah, hé, tu t'émerveilles pour ça? Hé, écoute-nous quand on te parle. Ils sont différents des papillons cristallins d'Inazuma, après tout. C'est vrai. Il n'a jamais dû voir un papillon cristallin qui ne soit pas violet. C'est ça. Oui, c'est vrai. Blacksou, tu vas lui attraper un papillon cristallin. Pourquoi tu n'irais pas en attraper un toi-même? C'est toi qui sais voler, non? Je sais pas, hein. Mais c'est toi qui as l'habitude d'attraper les papillons cristallins. Tu peux le faire, hein? Bah non, mais oh. Génial, d'accord. De toute façon, on en a déjà, on peut lui donner. On en a plein, on en a 300. Regarde, quasiment. Ouais. Faudrait que j'en rattrape. On en avait 300 il y a 2 semaines là. Bon, après 290, je fais l'argent. Ok, nickel. Pas doré. Hein? Ah, on a dû lui en donner un de mon stat. Il doit être bleu, c'est ça? Et pourtant, j'ai jamais fait attention. Quoi? De quoi? J'ai le sentiment d'avoir grandi soudainement et que mes illusions ont été brisées. On dirait bien que c'est aussi un voyage initiatique pour Paimon. Eh, mais ne sais pas, bon courage. C'est toi qui dois suivre les initiations, Koichibushi, Kishibushi. Pas moi. Mais je suis quand même déçu. Comment se fait-il que les noyaux des papillons cristallins géants ne soient pas dorés? Ah, genre ils perdent leur. Ah oui, du coup, en fait, nous, quand on les utilise, ils sont vraiment comme sur l'image, quoi. Genre ils perdent leur. Éclat. Papillon cristallin doré, pourquoi ça pas doré? Peut-être que les papillons cristallins sont tout simplement comme ça, je sais pas. Bon, ça ne fait rien. Continuons notre chemin en menant Kishibushi voir l'Alcor. Oh, carrément? Ah, bah ça marche. Non, il voyage bien lui, hein. Ouais, désolé, en bas ça parle, j'avais pas fait attention, ça parlait en bas. Du coup, bah vous êtes bon, c'est pas grave, hein. Regardez, c'est l'Alcor, voilà, les bateaux de Bidou. Ouais. Allez, du coup, c'est parti. Histoire du lapin, du baquet machin et du bateau de boue. Oui, mais l'alcool n'est pas fait de boue et donc il ne coulera pas. Voilà. Parce que c'est la boue qui coule, c'est le matériau, c'est comme ça quoi. Testons tes connaissances. Comment font les bateaux pour flotter à l'eau? Les bateaux sont faits en bois. L'élément dendro est puissant, la supérieure à la gravité pour pouvoir. On va mettre le premier. Bah ouais, un peu. Mais alors, pourquoi les protocolinus avec des boucliers ne flotte pas? Parce que faut quand même beaucoup d'eau quoi. Ça suffit pas. C'est pas grave. Quand tu seras grand, tu seras aussi intelligent que moi. Ouais, bien sûr. Bah c'est. Il n'a pas à grandir encore beaucoup. Hein. Tu comprendras pourquoi un bateau peut flotter sur l'eau ou pourquoi il neige sur le monde du dragon. Toi non plus, tu ne sais même pas pourquoi. Bah voilà. Allez, c'est parti. Go aller voir Bédou. Allez. Non, c'est bon, on a compris. Du coup, est-ce qu'ils vont parler en bas? En bas, à chaque fois, ils parlent. Ça sert à quoi ça? Ah, prendre une photo? Ah oui, c'est vrai. Waouh! Incroyable! Ok. Non, mais je voulais pas enregistrer. Moi, c'est pas grave. On va dire que je l'ai. Par la suite,
Que dirais-tu d'emmener machin sur l'alcool? Bah c'est ce qu'on voulait faire, non? Non, t'inquiète pas, il va pas couler, t'es pas si lourd que ça. Tant que Paimon ne touche pas le bateau avec ses pieds, ça va. Ne t'inquiète pas, ok, nickel. Allez. On l'avait compris. Voilà. De toute façon, on peut directement s'y téléporter. Nous sommes sur l'Alcor. Où est Miss Bédou? On peut bien, on peut aller au sommet du mât. Ah, faut qu'on aille tout en haut? D'accord. On s'en va en haut. Ok, du coup, on est arrivé tout en haut du mât. Eh, t'as vu la vue, comment elle est belle? Est-ce qu'on va reprendre une photo? Moi, je pense qu'on va en reprendre une. Eh bah, du coup, c'est la montagne. C'est quoi la montagne? Inazuma, c'est là où tu habites. Voir, on la voit bien. Et voilà, exactement. Ah ouais, oui. Ah, c'est vrai qu'on la voit pas mal en vrai. Là-bas, à l'autre bout de la mer, exactement. Non, on est là pour t'accompagner, ouais, c'est ça. Du coup, j'avais bégayé, mais non, c'était ça. Où est-ce qu'on devrait aller ensuite? Aller manger? On peut aller voir Xingyan, du coup. Xiangling, je veux dire, excusez-moi. Ouais. En plus, en vrai, ici, il y a pas mal de trucs. C'est là aujourd'hui, je vais réfléchir au prochain endroit où nous irons. Ça marche. Ok, ça a pas l'air de durer très longtemps, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, c'est fait. Prochain endroit, du coup, ça va être où? Ah, on va aller manger. Ok, on va obtenir ça. Et go, aller manger. Ok, donc, du coup, moi, je pensais qu'on serait allé à l'IUE, genre pour voir Xiangling ou le gars en haut de la tour. Mais non, on va aller voir Sarah à Mondstadt. Et ça, j'adore. J'adore ce choix. Vraiment. Que Sarah, c'est quand même la goat, hein. C'est quand même notre petite Sarah, quoi. Bienvenue à vous, Paimon et Blacksou, et ce petit, c'est un nouveau type de baron lapinou. Ouais, un bon lapin. C'est un bon lapin, quoi. Il s'appelle Kishibushi. Un nouvel ami qu'on a rencontré, Inazuma. Et oui. Bienvenue au bon chasseur Kishibushi. Nickel. Cyrus m'a dit que ce pays était encerclé par des tempêtes orageuses et que la foudre qui tombait partout, un peu comme Lisa, comme quand Lisa s'énerve. D'accord. Ouais, mais non, ça passe. Faire goûter la cuisine authentique de Mondstadt à Kishibushi, ça reste qu'on pourrait avoir un poulet mariné aux fleurs sucre droit, vraiment le truc basique. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ne peut pas. Ah bon, pourquoi? Entièrement réservé. Ah, au pire, on pourra emporter, c'est pas grave. Le capitaine Kaya a soudainement passé des larmes. Oh, bah si c'est juste Kaya, on peut peut-être lui mettre un petit coup sur l'épaule, hein. Je pense que ça va pas être très compliqué, hein. Franchement. Peut-être qu'il prévoit quelque chose. Ouais. Et alors, qu'est-ce que faire? On va cuisiner nous? Ok, et on va faire la cuisine nous-mêmes, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut utiliser son four au moins? Vous pouvez utiliser la cuisine ouverte de nos restaurants à tout moment si vous le désirez. Et il nous faudra un poulet mariné aux œufs machin avec. C'est que t'inquiète pas. Ok. Nickel. Moi je trouve ça bien de faire une cuisine ou faire genre les gens. Une cuisine ouverte, je trouve ça trop bien le concept. Genre. Ah, on le fait pas? Bah écoutez. Oh putain, j'ai l'air ça à récupérer. Je vais juste m'en faire moi pour moi. Parce que. Bah j'en ai pas assez. Et moi je mange un peu de temps en temps, comme j'ai pas tout le temps un perso avec du shield, bah des fois je prends des dégâts. Voilà, du coup c'est valait bien. Du coup genre pas besoin de construire. Mais je croyais que le restaurant il était plein. Faut savoir. Ah, il pourrait peut-être faire comme un effort sur que ça c'est un jeu beau sur la comment les plays sont faits. Il pourrait peut-être faire un effort dessus, je pense. Par contre, Kishibushi, il prend de la bière ou c'est comment? Ça mousse beaucoup, je trouve. Hein. J'ai dû cuisiner beaucoup pendant mes voyages. Et puis, les ingrédients sont partout dans la nature, ouais. C'est simple et efficace. Nickel. Est un peu méfiant, mais finit par succomber sous l'odeur de la machin truc. Nickel. Je pense qu'elle aime bien. Ouais, c'est cool. Nickel. Il y a de bonnes choses, plus bonnes choses que nous la vendre. Bah oui, bah après ça c'est un mélange, c'est pas juste un fruit quoi. Ok. Du coup nous on va même pas manger, c'est ça? Génial. Est-ce que ma machin devient plus intelligent quand il mange de la bonne nourriture? Paimon, quoi? J'ai bien aimé comment. Franchement j'ai beaucoup aimé comment il a appelé Paimon. C'est vrai que franchement.
Je valide totalement. Vraiment. Pépémon. Il est trop chiant. Ok. Kishibushi, tu dois te souvenir correctement du nom des autres personnes. C'est important. Pémol. Il me fume. Ok. Mais Paimon. Bon, ça va. Je suis pas en colère. Bah, d'accord. De toute façon, à un moment. Forcément, t'as l'habitude. Hein. Pour te rappeler du nom du plat, il n'y a pas de problème. Ah, bah non, c'est. Bah, toi, t'es pareil, Paimon. Hein. Vraiment, t'es pareil. Ok. Pour l'instant, tant que nous sommes ça, en effet, allons voir la statue de l'archon Anemo. Ah oui. C'est vrai que à Liyue, il n'y a pas de statue de l'archon Géo. Ça me dit rien. Je sais pas s'il y a une statue. Mais au moins, pas Molsongli, mais bah, sinon les gens ils seraient, mais ouais. Après, le truc c'est qu'il n'y a pas un seul dieu à Inazuma. C'est pas comme ici où il y a juste Venti et l'autre où il y a juste. Bah. Ouais, si en vrai il y a que la Shogun. Là-bas, il y a aussi genre. Bah, il y a les adeptes. Bon, en soi, les 7 étoiles diluées, c'est pas des dieux, mais c'est des personnes aussi importantes. Du coup, je sais pas s'ils ont autant leur place. Et aussi, il y a les Yaksha avec Xiao et tout. Mais il y a pas. Ça ne dit rien là comme ça. Je sais pas où c'est. Là comme ça, je sais pas. Ok, du coup, nous sommes là. Alors. Ah, il faut voir les choses en plus grand. Allez, go, allez sur ses mains. Sur les petites mimines de la statue. Ouais, tu vois, c'est pas mal, hein. On voit jusqu'à où. Ouais, ça nous gâche la vue. Attends, on voit deux dragons. On voit pas Inazuma. Enfin, ça serait peut-être un peu abusé de voir Inazuma quand même. On voit quand même jusqu'à là-bas, le truc qui voit la lumière. Hein. Et grand, encore plus grand que roi, et solide. Grand et solide. Oui, je n'ai plus de patience à expliquer la différence entre une statue et un véritable archon. Un archon est quelqu'un de très bien. Oh là, oui, mais là, du coup, c'est la statue de l'archon. Je comprends pas. Même s'il n'est pas toujours très fiable, il est très aimable. Hein, Venti, D'ailleurs, est-ce que Barbara a découvert la vérité de la lyre sacrée? Elle était censée faire ça, elle. J'espère qu'elle s'en est rendue compte. Ok, photo! Ouais, vas-y, on va faire une belle photo. Prendre une photo. Comme ça, peut-être plus haut, comme ça. Attends, comment on monte? Comment je monte déjà? Ouais, comme ça, on va dire que c'est pas mal. Hein. Allez, ting! Avec leurs photos, ça rend mieux alors que c'est pareil que nous, mais il y a un truc qui rend bien. Ok, nickel. Du coup, maintenant ça va être la fin ou on va voir Barbara, on va faire un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a? Et retour, je montre à Yorua, Archon Anemo et à des mains encore plus grandes que Yorua. On ne peut pas vraiment comparer la taille de Yorua avec cette statue. Ah bah, non, non, non. Après, c'est une statue hein. À la base, elle vit pas, elle de base. En fait, le roi très faible, très faible. MDR. Nous sommes pas une mauvaise influence pour Kishibushi quand même. Hein. Après, il est pas très fort non plus. Quand le roi est sérieux, il peut devenir gros, très gros, même plus gros que Sentron. Ouais, mais après, est-ce que tu l'as déjà vu faire ça? Je sais pas. Je pense pas. Mais Kishibushi va devenir plus fort. Ouais, c'est ça que je veux entendre. Pourquoi veux-tu devenir encore plus fort? Tu es déjà très fort, Kishibushi. Tu arrives même à te transformer en ballon d'air à l'aide duquel on peut planer. Tu es presque à moitié plus fort que moi. Un peu plus qu'à moitié quand même. Kishibushi va devenir encore plus fort et utiliser magie plus puissante. Avec magie plus puissante, Kishibushi peut faire en sorte Yorua plus pierre. Oh. Pour ça, Kishibushi doit bien s'initier avec Black Sou et Paimon. Je vois. Où est-ce qu'on va aller du coup au prochain lieu pour l'initier? Dans un endroit qui a plein de statues de pierre, non, je sais pas. Comme ça, ouais. On va où maintenant? On a déjà mangé les pâtes de mon stade, alors on pourrait aller au port des Lyuées maintenant. Oh bah heureusement qu'on était à Lyuée il y a pas longtemps, hein, vraiment. Allez, ah oui vraiment, on retourne manger. Bon, autant faire ça à Lyuée avant. Bon, bah c'est parti, go aller au restaurant Wanmin. Ouais, voilà, chez Xiangyang en quelque sorte. Ok, du coup nous voilà au restaurant Wanmin et en fait on est dans la même mission. Je pensais que ça allait être une autre mission, mais en fait non, c'est la même mission. Du coup. Pourquoi pas, mais on aura quand même pu aller là avant d'aller à Mondstadt quand même. Bonjour chef Mao, on voudrait commencer par une marmite de perche à dos noir. Misère, pourquoi faut-il que des clients arrivent à un tel moment? Je suis désolé, je ne peux pas prendre de commande pour l'instant. Hein? Mais pourquoi? Un chevalier de Mondstadt, encore Kayam, il abuse, hein, est venu un peu plus tôt. Il a passé une énorme commande. Il a demandé à ce qu'on cuisine plusieurs dizaines de à plus, pour plusieurs dizaines de personnes. Il a dit qu'il passerait chercher les plats pour les emmener. Où déjà?
au grand hôtel Goth de Mondstadt? Oui, c'est ça! Comment le savez-vous? Keia. Lui, je pense qu'on va lui remonter les bretelles parce que ça commence à mal aller. Il nous casse tous nos plans. Tu vois, on va aller à Inazuma, on va demander. Je ne sais même pas s'il y a un custo bien Inazuma. Et il va nous. Keia, il a pris. Tu vas voir, ça va être ça. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas en mesure de vous préparer des plats dans l'immédiat. Vous voyez par vous-même, mes casseroles sont déjà pleines. Je ne sais même pas comment ce gaillard peut transporter toute cette nourriture. J'espère que rien ne sera gâché. Cette commande est arrivée trop soudainement. On n'a même pas assez d'ingrédients dans la réserve. Ma fille est en ce moment en train de chercher du piment de Jiyun. Si tu veux, on en a du stock. Si jamais, nous, de toute façon, on est le facteur, hein. On peut donner. On est sympa. Surtout qu'on t'aime bien. Xangling, elle est un des meilleurs persos, hein, bien évidemment. Ah oui, c'est peut-être mieux que. C'est peut-être mieux d'être comme ça que d'être comme ça. tiens, Dieu, qui est ce petit? Il s'appelle Kishibushi. Bonjour! C'est un baquet d'Anuki qui est en voyage initiatique avec nous. Ah, d'accord. Je suis vraiment navré, Kishibushi. En parlant de ça, ma fille a aussi un ami gourmand qui s'appelle Kuba. Je suis sûr que lui et Kishibushi pourraient bien s'entendre. Oh, si on voit Xangxian, ça serait parfait. Je veux voir Xangxian. Mais à chaque fois, depuis tout à l'heure, on parle de 10 000 persos, mais on a l'impression qu'on les verra jamais. À moins qu'on les verra à la fin, mais j'y crois pas. Bon, bien, bah, c'est raté. On va devoir compter sur Black Soup pour nous en préparer. Mince, j'ai complètement oublié. Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est long. C'est très long. Merci. C'est incroyable tout de même. Tu n'as pas fait attention à la date? Que se passe-t-il? On avait réservé des places au pavillon Liuli et au kiosque Xinyue il y a quelques mois. Ouais, et c'est aujourd'hui. On voulait aller goûter les merveilleuses, le meilleur des cuisines Li et Ye entre frères et sœurs avant de rentrer à Mondstadt. Ah. Résultat des courses, on a réservé deux places au restaurant pour le même jour. Ah bah! C'est pas ouf. On aurait dû confirmer la date dès le début. Qu'est-ce qu'on avait à faire maintenant? Pourquoi ne pas aller au restaurant? Bah ouais, comme ça tu peux pas faire ça. Parce que si on en mange un des deux restaurants en premier, on sera repu et cela influencera notre expérience du deuxième restaurant. Ah! Privilégier un des deux restaurants pour manger un premier est injuste pour l'autre. Et c'est encore plus injuste pour la tradition culinaire que celui-ci représente. Ce serait un véritable manque de respect envers la gastronomie. C'est vraiment du fou de voir là, hein, du shogogi qui nous somma à fond. Et arrêtez de parler chacun à votre tour! Je n'arrive pas à suivre. Bah, au moins ils parlent pas en même temps, c'est plus simple. Oh, ça va. D'habitude, on se parle quand les gens ils parlent en même temps. En résumé, vous avez réservé au pavillon et au kiosque pour aujourd'hui. Mais vous ne pouvez aller qu'à un seul de ces deux restaurants, c'est ça? Kushibushi va aller la balle à la place du monsieur et la dame au poil marron. Il semblerait vouloir dire quelque chose. Il dit qu'on peut aller au restaurant à la place du monsieur à la dalle dame au poil. Mais traduit au moins au lieu de répéter mot par mot. T'es pas censé être moins bête? Je ne suis pas une dame, je suis une demoiselle. Oh, excuse-nous, demoiselle. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ouais, bien sûr. Vous voulez aller à notre place? C'est une possibilité, mais c'est quand même du gâchis. Ah, fallait réfléchir avant. Hein. C'est vous les fins gourmets de la haute. Hein. Je suis contraint. Je trouve au contraire que c'est une bonne idée. Si on annule le dernier moment, on va mettre ces restaurants dans l'embarras. Et oui, c'est vrai. Mais, on a attendu si longtemps pour ces réservations. Mais tu peux aller au moins dans l'un des deux. C'est déjà ça. Freki, le temps, c'est loin d'être ce qui nous manque. On réservera une table pour une prochaine fois. Ne disais-tu pas hier que tu voulais goûter les fruits de mer du kiosque Xindie? C'est pas ce qu'on voulait faire aussi, nous? On veut pas prendre des fruits de mer ou un truc comme ça? Je sais pas. L'autre, il veut en faire aussi. Du poisson, ce qu'on voulait. On peut aller là-bas et on laisse notre place au pavillon Lulu à ces voyageurs à l'allure singulière et ce petit animal. Peut y aller à votre place? Oui, je m'appelle Jerry. Dites mon nom à Likai au pavillon de Lili. Les plats ont déjà été commandés. Nickel. C'est parti. Et bah, go aller au machin Lili. Hein? Pavillon Lili. Allez, c'est où ça? Ok, on n'est jamais allé du coup. Nouveau restaurant à Lili, c'est cool. Normalement. Ok, du coup, le restaurant, bah, il est en plein milieu de la ville, du port, je sais pas. Service du pavillon. Ok, du coup, est-ce qu'on va recommencer à l'intérieur ou juste ça va nous livrer? On rentre quand même, j'espère.
Oui, au nom de Jerry. C'est ça, patientez un moment, je regarde. Oui, il y a bien une réservation pour ce nom aujourd'hui. Par ici, je vous prie. C'est tellement simple de voler une réservation. C'est un peu trop simple, je trouve. Alors? En point, c'est tout? En effet, il y a bien une réservation pour aujourd'hui, machin. Par ici, je vous prie. Ah! On peut rentrer? Ouais! Entrez dans le pavillon. Lilu! Li! Je me suis raté en plus. Du coup, on est à l'intérieur. Ah si, ah c'est pas là où ce que du coup on avait été manger ici avec Xinki si je me trompe pas. Je sais plus c'était avec qui mais je crois qu'à un moment on avait peut-être été là. J'ai encore, franchement, faudrait qu'il fasse un effort sur le truc du manger hein. Vraiment c'est un jeu putain de beau mais regardez le manger on dirait du PS2 hein. Je suis désolé hein. Il peut faire un truc un minimum beau hein. Ça, franchement c'est... Le poulet on dirait une grosse patate. Je suis désolé on dirait une grosse patate. C'est pas ouf hein. Les trucs verts là au fond là, on dirait un trou noir s'il te plaît. Non, 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 moi, je suis pas d'accord. Si copieux, j'ai acheté un pensait vraiment pouvoir manger tout ça à deux. Bah, c'est des gourmets, je te rappelle. Et ça sent bon. Ok, du coup, ils bouffent tout. Nickel. Par contre, le restaurant, il est petit, c'est vraiment tu réserves et il y a que toi. Je sais pas si c'est ouf comme. Après, c'est peut-être un haut restaurant, du coup, ils peuvent se le permettre. C'était bon. Il suffit d'avoir vu Kishibushi manger pour savoir à quel point c'était délicieux. Ah, c'était délicieux. C'était très bon. Les humains sont très forts. Ils savent cuisiner de bonnes choses. Bien mieux que la nourriture des Paquet d'Anouki. Ok. D'ailleurs, de quoi est faite la nourriture des paquets d'Anouki? J'avoue, à part du melon lavande. Belle apparence et bon goût, mais donne des sensations bizarres, une sensation de vide. J'aimerais bien savoir aussi. Je crois qu'elle va vouloir goûter elle. La nourriture des paquets d'Anouki fait avec des feuilles et boum boum. C'est quoi boum boum? Ah, de la musique, genre ils font ça en musique. Les légumes, les feuilles et boum boum, c'est des feuilles et boum boum. Il y a des feuilles et boum boum, c'est très bon. Yes! Ah, c'est cool, hein! Je comprends rien. Mystérieux, ce machin, j'aimerais bien savoir ce que Kiya essaie de faire en livrant tous ses plats au du bon chasseur et du restaurant One Min au Grand Hôtel Gotz. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Si ça se trouve, ça va se passer comme ça. Comment? Comme ça. Toc, 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 une livraison pour Monsieur Fatui. Bonjour, cadeau de l'ordre de Favonius. Ils sont un peu trop tard pour nous flatter, de quoi s'agit-il? Un grand plateau de plats froids de mousse d'atelier, méchante. Chouette, un grand plateau de repas, camarade, venez manger. Ah oui, froid parce que c'est Kaya, gelé. Ok. Le capitaine de la chevalerie de son œil et son œil cryo était caché dans le plateau de nourriture. Ah, Dieu, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça ne m'étonnerait pas qu'une chose de si périlleuse puisse se passer. Il faut qu'on voie ça, hein. Il faut qu'il fasse ça pour de vrai. J'ai l'impression que la nourriture était encore plus délicieuse que la dernière fois. Comment ça se fait? La dernière fois qu'on est venu, c'était pour parler de choses sérieuses. Non, mais je sais plus c'était avec qui. Peut-être avec Zongli, peut-être qu'il nous avait payé le resto. Enfin, qu'il nous paye un truc, je sais plus c'était quand. À force de parler de consultants et de rituels de l'ascension, la nourriture a fini par perdre son goût. D'ailleurs, Kishibushi, c'est dans ces restaurants qu'on a mangé avec un exécuteur des Fatui sur Vrai Drage. Ah oui, on avait mangé avec Tarta et Zongli. Ok, quand même. Le roi parlait des fauteuils. Ouais, c'est ça, ouais, des fauteuils. Ouais. Mais c'est passé quoi les fatuits, mec? Ça vient à peine d'arriver, Inazuma. Maintenant qu'on est à Liyue, on doit trouver un endroit où prendre photo Kishibushi. Ok, panorama et tout. Bon, on peut pas aller en haut de la chambre de Jade? En vrai, on peut se permettre de faire ça, je pense, non? On va aller trouver un endroit. J'espère qu'on venir à la garde. Oui, ah oui, c'est pas mal ici que du coup on voit tout le bord de Liyue. Peut-être le palais de Jade? Oh ouais c'est sympa comme endroit, en vrai c'est un bon endroit pour prendre une bonne photo. Dommage qu'il fasse pas nuit. Ça aurait été mieux la nuit. Mais en vrai hey, comme ça c'est cool hein. Genre comme ça. Oh elle est stylée hein. Je m'imagine y a pas de truc centré. Elle est stylée la photo en vrai hein. Ça va. Nickel. Ok. Mais du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Et plutôt pas mal, Baksu a un don pour la photographie. Et oui, c'est joli ici. Très différent de forêt. Mais il y a beaucoup de bateaux en bas. Ils vont pas couler, ils ne couleront pas, ne t'inquiète pas. D'accord, et très fort. Alors Kishibushi, tu t'es bien amusé aujourd'hui? C'est un parcours initiatique, c'est pas censé être amusant dessus, ça. Voilà. Yorwa a dit s'amuser et partie de l'initiation. Interdit de s'écarter de la voie du Tanuki. Si on oublie s'amuser, on s'éloigne de la voie du Tanuki. Qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne de la voie du Tanuki? Les Tanuki qui s'écartent de la voie explosent. Un peu beaucoup quand même. Ça fait un peu beaucoup là. Une explosion de 8 troncs, les feuilles disparaissent.
poils se transforment en herbe marine et ventre tambour en théière, ils finissent maigres comme belette et plus aucun pouvoir. Je suis sûr que le roi raconte des bêtises. Ouais, je pense. Initiation, c'est amusant, super content. Tant mieux si ça t'amuse, hein? En avant, on va où? On va en parler aujourd'hui. Il faut que tu te reposes, Kishibushi. Yes, mais on peut pas finir le truc avec Kaya, ça serait cool, non? Au moins dans une prochaine quête, peut-être pas là, hein, mais dans un prochain truc, ça serait sympa, moi je veux. Ok. Mais du coup, ça c'est fait. Nickel! Et bon, on va s'arrêter parce que, mine de rien, cette quête-là pour manger, j'ai l'impression qu'elle aura duré plutôt longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like ou l'abonnement, ça ferait très plaisir. Lien du Twitch en description, c'est ce que je fais mes lives, où est-ce que je fais des let's play, les événements. Bon, en ce moment, pas trop, mais en ce moment aussi, parce que les vidéos elles sortent quasiment au jour le jour, bah, au jour le jour, à 2-3 jours près. Du coup, là, ouais, ça va être une vidéo pour deux trucs à chaque fois. Hein. Et là, on en a fait deux, après avoir combien de temps ça dure. La malaise d'ombre, ok, falaise d'ombre. Mais ouais, du coup, c'est là que je fais mes lives et tout. Du coup, si jamais vous venez jouer avec moi, papoter ou quoi, n'hésitez pas, lien en description. Si vous avez des suggestions, une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à en faire par un commentaire, que ce soit le contenu de la vidéo, moi, le commentary, comment je lis. Là, j'ai pas trop bégayé, je trouve que ça a été. Je suis fier de moi quand même. Les minia, le montage ou quoi, n'importe quoi, quelque chose que vous avez pas ou que vous aimez, mais si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde, plus plus. Ouais.